Oui, je viens avec une astuce. Beaucoup de femmes m'ont parlé cela, ils m'ont demandé la caviar. Avant de commencer, s'il vous plaît, je vous dis merci de vous abonner à ma page Facebook. Merci beaucoup, mes caviars. Et ce que je vais vous dire, c'est que quoi? Aujourd'hui, nous allons parler de cette astuce. Comment faire pour avoir un vagin qui est propre? Parce que beaucoup des hommes se plaignent et disent que leur femme est sale. Pendant qu'il veut faire le lapage, la femme a une odeur qui sort en bas, ça ne donne pas l'envie de lui laper. Donc, si vous êtes nouvelle sur cette page, je vous invite de partager cette live à toutes les femmes de votre quartier qui ont le bas, qui ont l'odeur d'agneau vent là. Donc, aujourd'hui, je viens avec cette astuce qui peut vous aider, mes caviars. Vous comprenez? C'est très, très important et cette astuce, ça va vous aider. Comment est-ce que tu peux faire pour entretenir ton bas? Pour que ton bas va être propre. Parce que quand tu as une femme qui a l'odeur en bas, tous les hommes qui viendront dans ta vie n'auront pas le courage de te faire un bon lapage. Vous comprenez? Donc, c'est pour cette raison que je viens avec cette astuce aujourd'hui. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, c'est très important. Avec le clou de girofle, c'est un truc qui est simple. Je vais vous montrer comment entretenir son Jessica. Avec le clou de girofle pour avoir un Jessica qui est propre, sans odeur. Voilà. Et ça va aussi rétrécir. Hein? C'est pas seulement que ça va sentir bon, ça va rétrécir et en même temps, ça va être. On va passer à l'astuce. Vous allez faire cela en deux étapes. Vous choisissez l'étape qui vous arrange. Mais je préfère que vous fassiez les deux étapes. Ça va être zo dans carton. Comment est-ce que vous allez posséder mes caviars? Vous allez rentrer, chercher le clou de girofle. Vous comprenez? Vous allez chercher une bouteille de 1 litre et demi. Vous allez mettre le clou de girofle à l'intérieur de cette bouteille. N'hésitez pas à mettre quelques pincées de sel, c'est très très important. Et un peu de jus de citron, un petit jus, juste un tout petit jus de citron. Si vous n'avez pas le citron, c'est pas grave. Rien que le clou de girofle et le sel, ça fait l'affaire. Pas beaucoup, juste un peu. Vous allez déposer cette bouteille-là quelque part. Où ça va faire peut-être 3 jours, 4 jours, le temps que le clou de girofle va se mélanger dans cette eau. Vous comprenez? Après le troisième jour, comment est-ce que vous allez procéder? Cette eau, vous allez charger dans les bouteilles. Vous déposez. Quand vous partez aux toilettes, vous finissez de chier. Quand vous avez fini de chier, vous lavez d'abord bien vos fesses comme d'habitude. Maintenant, vous allez prendre cette eau maintenant là. Vous allez rincer votre Jessica avec. Il ne faut pas utiliser le tout, juste une petite quantité. Vous allez voir que le bas là qui avait l'odeur comme avant, vous n'aurez plus cette odeur là. Maintenant, deuxièmement, vous lavez vos vagins avec ça matin et soir. C'est important. Donc, ça devient comme votre eau pour laver les fesses. Il vous dit ouvertement. Hein? Voilà. Parce que quand tu as une femme que l'odeur là, ça sent là. Ça ne donne pas l'envie à quelqu'un. Ouais, tu vas aller chez un garçon, il t'invite dans sa chambre, tu arrives, tu laisses la saleté là-bas. Sa chambre va sentir odeur de poisson pourri. Voilà, la caviar est là pour vous rendre zo dans le carton. Voilà, ma chérie. Donc, tu mélanges cela. Ça doit être comme ton eau. Voilà, tu déposes ça dans ta salle de bain. Quand ça finit, tu refais la suce. Dis bien le clou de girofle, juste avec un petit sel, c'est tout. Même le clou de girofle simple, vous allez voir le caviar. Quand vous allez faire cela, vous allez venir témoigner. Quand vous finissez, vous parlez toujours à la salle de bain, faites toujours cela. Maintenant, deuxième étape, vous allez chercher le clou de girofle. Vous allez faire bouillir dans une grand-mamie d'eau chaude. Ça va bien chauffer. Voilà. Vous mettez le sel à l'intérieur. Vous allez rentrer, vous asseoir, prenez la couverture, couvrez-vous avec. Laissez la vapeur va entrer dans votre Jessica. Faites cela, les filles. J'attends vos témoignages. Cette astuce, elle est spectaculaire. Pour plus d'infos sur mes astuces, mes caviars, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui est affiché là. C'est important. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Prenez soin de vous. À très bientôt pour une autre astuce, mes caviars. Bisous avec la caviar. On est zo dans le bas, dans le mougouli et dans le tout. Vous comprenez? Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, mes caviars. Je vais vous laisser. C'était l'astuce du jour. Bisous à vous, mes caviars.